Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur les motocross électriques. C'est mon petit loisir, mon petit plaisir on va dire, après le boulot et au quotidien dans le week-end. Dès que j'ai 5 minutes, j'essaye d'en profiter un petit peu. Et en fait, pour tout vous expliquer, j'étais parti pour faire plaisir à ma petite nièce. Donc je voulais lui offrir une petite moto électrique et c'est un truc quand même qu'ils ont pas forcément la facilité d'avoir. Et j'ai craqué, moi j'ai eu l'opportunité et du coup ça s'est fait. Et dans l'idée, depuis je roule avec, alors faut être limité en poids, faut pas faire trop lourd, hein. Mais bon, si on fait 80, 75, 60, c'est nickel, si on fait 90 ça va être compliqué. Dans l'idée, on peut quand même bien s'amuser sur tous les petits chemins et en même temps ça reste un truc vachement écolo où il n'y a pas trop d'empreintes qui restent dans la nature. D'ailleurs vous l'entendez, on est en pleine nature. D'ailleurs, ils font chier les oiseaux parce que du coup, on n'entend pas beaucoup. Et j'espère que les mains de Lucas qui enveloppent le téléphone ne cachent pas le micro. Et dans l'idée, alors j'ai adoré ça. Je connaissais pas plus que ça. Pour moi, c'était trop petit. Enfin, ça servait à rien et tout. Mais en fait, non, c'est un autre style de conduite. C'est beaucoup plus petit, on dirait un BMX, mais sans forcément les efforts du BMX. Par contre, on va chercher un peu plus les figures, les trucs comme ça. Les trajectoires qui sont quand même assez sympas sur de la terre ou du gravier. Et on sent que la moto elle drift et c'est ça qui est rigolo. Et en même temps on n'est pas sur des grosses vitesses, on peut pas se faire vraiment mal. Donc j'ai adoré celle-ci, je l'ai floquée, c'était celle qui était prévue pour ma nièce. Et en fait j'ai tellement adoré cette moto que j'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai essayé de craquer pour la petite sœur. Donc voilà, donc la petite sœur est arrivée. Donc ce qui est beaucoup plus sympa aujourd'hui, parce que du coup ça permet aussi d'aller faire des balades à deux et de faire partager ça aussi. D'ailleurs Lucas il connaissait pas plus que ça et je pense qu'il a adoré le fait de venir même ici. C'est sympa. Et ici on est à 2 minutes de chez moi, donc c'est vraiment sympa de revenir le soir. Vous voyez le cadre, il est top quoi. On peut pas faire mieux, c'est plus agréable. C'est ça le paradis sur Terre. Non, on n'a pas besoin d'ordinateur, on n'a pas besoin d'une connexion, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Alors une petite prise électrique pour la recharger, ça peut être si on arrive encore à la porter comme il faut. Mais n'importe qui la porte pas comme ça, mais... Ouais, 50 kilos, c'est quand même 50 kilos. Ouais. Enfin, j'espère que les images que vous allez voir juste après, ça va vous plaire. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, il y en aura encore d'autres, tout doucement ça prend de plus en plus d'assurance dans les sauts, dans la façon de piloter. On a aussi pas mal de GoPro donc ça nous permet d'avoir des images sympas. Je vais essayer de vous faire une petite compilation de trucs assez cool. Et si je m'écouterais, je vous fais des images tous les jours parce que c'est trop facile, c'est trop bien. Donc je vais pas quand même tout le temps sortir la caméra. Et surtout qu'il y a eu des belles gamelles aussi qui n'ont pas été filmées. Et c'est dommage parce que ça aurait été sympa de les avoir en image. Ouais. Alors pas de chute blessante, hein. Personne s'est blessé et tout. Je connais beaucoup de gens en cross qui sont très très mal. Là ça va. Et après les tout petits, faut faire attention, faut mettre un casque, une lumière, des gants, des protèges tibia, des coudes. Et ça va aller tout seul, il n'y a pas de souci. J'espère que ça va vous plaire. Mettez-moi un petit commentaire encore. S'il vous plaît aussi, abonnez-vous et merci pour ceux qui l'ont fait. Et je continuerai. Et à chaque fois que je vois des gens dans la rue, Lucas, on a rencontré aussi en prospection et tout. Ouais, les gens sont super contents, plaisir. Ils sont super enthousiastes. Et ils disent que voilà, c'est pas des vidéos à la con commerciales et tout. Vous voyez, là, je suis pas sponsorisé. Hein. C'est mes propres fonds. C'est pas Modernimo hein, qui a financé ça. C'est Léo Brunon qui finance les petites motos. Mais c'est un petit plaisir perso et je voulais vous le faire partager. Et pareil, dans mes futurs projets, je pense qu'on aura peut-être l'opportunité un jour de vous le faire vraiment partager. Donc voilà. Et bien sûr, les petites motos, celle-ci, elle sera visible à l'agence pour ceux qui se demandent, qui s'intéressent à tout ça. S'ils veulent venir en discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Pour tous les professionnels ou autres, pareil. Je suis en train de rencontrer aussi les distributeurs. Dans la vidéo, vous allez voir aussi qu'il y a quelques images sur d'autres modèles qui sont beaucoup plus puissants, qui sont des motocross électriques.
on me voit rouler. Et en fait, c'est les rencontres de la vie qui ont fait que je suis tombé dessus. Et elle m'a dit, vas-y, sors ta caméra, vas-y, fais des images et tout. Donc, j'ai présenté ça un petit peu à l'arrache vite fait. Mais promis, on va refaire un truc bien propre, bien encadré, avec un beau montage et tout ce qui va bien. Et on ira chez le distributeur. Donc, voir aussi combien ça part. Je parlerai peut-être de l'aspect commercial. Ça peut être intéressant. Ça peut être sympa aussi, ouais. Parce que ce que vous, vous savez pas, est-ce que Lucas sait, c'est que moi, je suis aussi un businessman. Donc, bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu tout ça. Je sais que je suis un grand bavard, j'arrête pas de parler, mais il faut que je vous quitte et il faut que je vous laisse découvrir ces images. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, abonnez-vous. Merci encore à ceux qui l'ont fait. Et à très vite pour d'autres nouveaux projets, d'autres nouvelles images et plein de trucs de fou. Ciao. Eh, hey, t'as fait un de ces sauts là, on l'a trop bien vu. Hein. Tu customises? Non, je customise pas. Je floque. Je floque à l'effigie de notre chère et tendre société. Ou encore une fois, on montrera une vidéo qui parle de motocross, de tow bike, mais pas d'immobilier. On a vu aussi que la diffusion sur l'appartement, il a pas plu forcément plus que ça aux gens. Et que c'est pas forcément ça qui nous attend de nous et qui les intéresse. Et d'ailleurs, toi, t'as rencontré un abonné. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait, l'abonné? Il disait que c'était les vidéos de l'immobilier qui l'intéressent ou toutes nos conneries sur le côté? Bah moi, c'est, il m'a plus parlé, parce qu'en fait, comme c'était un mec du bâtiment, il m'a plus parlé qu'il a regardé, enfin, qu'il a bien aimé la série du bâtiment. Du début à la fin. Et il m'a dit franchement les vidéos elles sont cool, il y a vu le montage, il est top. Après il n'y a pas plus rentré dans les détails que ça. Et regarde, c'est pas bon. Alors attention, là c'est le plus dur. Le i part toujours en couille. Putain, il tient bien. C'est pas magnifique ça. Ça c'est ma copine la grenouille qui nous a fait les chers et tendres. Alors je sais plus comment dire, elle va nous défoncer parce qu'à chaque fois il faut dire le bon terme, c'est des stickers ou des... je sais plus comment ça s'appelle, moi je dis toujours ça, mais elle me défonce à chaque fois, elle me dit mais non c'est pas des stickers hein. Donc bah, elle nous dira exactement ce que c'est hein, dans les commentaires, elle regardera la vidéo, elle nous le dira. Donc alors ça c'est des vrais trucs professionnels, hein. C'est des trucs pour que ça tienne, donc vous voyez comment c'est fourni. Donc ça je me souviens qu'on appelle ça un papier de transfert. Donc c'est pour transférer les lettres. Et en gros la partie collante elle est là. Le transfert il reprend mais ils sont collés trop parce que sinon tu pas à chaque fois. Ouais, en fait c'est des collants entre nous. Et puis là, faut surtout bien s'amuser à bien les poser là. Donc on a posé déjà celui-ci qui est dans le même principe. On va encore en remettre un derrière. On va encore en mettre un. Celui-là j'aime beaucoup, franchement. Il est super beau, hein. Ouais. Ça déboîte. Vous allez voir cette petite moto, je la prépare pour une amie proche de moi. Donc ça c'est pas Modernimo qui l'a financé, c'est moi, c'est Bibi. Mais ça me fait plaisir parce que du coup ça reprend un peu notre Modernimo. Passion. Ouais, moi c'est Modernimo. De toute façon quand on voit les comptes et tout, c'est plus moi qui paye Modernimo que le contraire. Mais bon, c'est pas grave. Merci les impôts. Dans le même délire. Donc en préparation, flocage, elle est figée, la grosse, ouais. Enfin, elle fait maman hein, à côté. Hein. Bah... Ça fait enfant et maman à côté. Ah là, ouais. On a le droit aux deux. Donc là, on est sur un modèle un peu plus grand. Je vais le mettre. Celui-ci, c'est pareil. Donc, pareil, il y a des t-shirts qui arrivent. T-shirts floqués, les vestes, les kawaii. Il y a plein de trucs qui vont arriver chez Modernimo. Et on est en train de réfléchir aussi sur l'activité de vente immobilière.
comment se démarquer un peu de la concurrence et encore une fois, comment faire gagner des choses à des gens qui ont besoin de certaines choses et qui ont du mal à se les financer. Nous, par le biais de l'agence, on a la possibilité de faire des fois des choses avec les économies d'échelle et du coup, c'est vachement intéressant parce que ça ne revient pas trop cher. Et tout le monde peut y gagner. Et encore une fois, bah, si c'est, je peux vous en faire profiter, je serai le premier à le faire. Et donc du coup, on est en train de se renseigner sur ça. Donc on annoncera sûrement des trucs pour le début de l'été, sur, je pense, le lancement de l'agence. Quand on va faire l'inauguration, je pense que c'est là où on va mettre le putain de coup de pub, marketing de ouf. Je pense même que là, les maires, ils vont venir nous voir, ils vont nous aider, je pense même, par rapport à lancer ce qui est mon projet. Ouais, ça risque de plaire à beaucoup de gens. Ça va dépoter, on va en entendre parler à mon avis. Mais vraiment vite fait. Et regardez-moi ça, comment ça va être beau ça. Alors, le papa à qui j'offre la moto a déjà commencé à me taquiner, à me dire que sa fille va mettre des stickers Reine des Neiges et tout ça. J'ai dit qu'il était hors de question de retrouver cette moto dans cet état. Je sais bien que c'est une petite fille, mais non. D'ailleurs, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais à mon avis, c'est quand même un affront de faire ça à ça, à cette bécane. C'est quand même sympa. Et puis de toute façon, il y a déjà, on a tourné 2-3 belles images dessus. Non, moi, ça, ils pourront voir. Ouais, c'est propre. Hein, c'est le point de colle là. En fait, ouais. C'est l'ancien propriétaire qui avait mis aussi son étiquette avec son effigie et tout. Okay. Quand il l'a retiré, il y a eu les petits points là. Faut l'enlever à l'acétone, mais j'en ai pas là. J'ai que du lave-glace. Donc c'était juste pour la nettoyer vite fait. Pour enlever. Ça va, ouais. Comme tu dis, c'est un truc que tu peux enlever, donc ça va. C'est ça. Elle a voyagé, je pense, plus que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. Et elle a été très très loin cette moto. Donc c'est pareil, j'ai retrouvé quelques petits coups de griffe en la nettoyant bien. Donc comme là et là, mais c'était au transport. C'est sûr, parce qu'elle a pas chuté, elle a pas fait de compétition, elle a juste bougé sur un bivouac. Donc si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'elle était sur une énorme compétition où il y a beaucoup de sable. Beaucoup de sable. Mais je laisserai la personne qui me l'a confié en parler bien mieux que moi, je pense, dans pas très longtemps. On attend juste d'avoir les locaux finis et tout, d'avoir quoi accueillir les gens. Et voilà, c'est pour. Et au moins les gens, enfin voilà, c'est pas trop modernimo non plus, c'est... Ouais, ça se voit tout en restant un peu discret quand même. Moi, franchement, ce que j'aime le plus, c'est vraiment ça. Tac, c'est pas beau ça. Eh, ça rend super bien. En fait, le logo change de couleur parce que c'est un bleu métallisé. Ouais, alors, je sais pas si on le voit bien, mais il est sublime en fait. Il est vraiment sublime, ça rend super bien. Alors c'est dommage, c'est parce qu'il y a des pointes de rouge que moi je suis pas trop fan, comme là aussi. Mais du coup, elle fait très patriote en fait cette moto. Hein. Le bleu, blanc, rouge, je trouve qu'il est assez présent. Et pareil, putain, qu'est-ce qui rend bien celui-là? Qu'est-ce que ça rend bien? C'est pas celle-ci. C'est ça qui est. Bon les copains, c'est un truc de fou. Il y a Sylvia que je viens de rencontrer. Parce qu'on achète une nouvelle moto et elle me présente sa petite merveille. Et forcément, bah, je pense que je vais. Hein, vous connaissez. Et donc toi tu vends quoi? Tu dis en concession? Des talariats. C'est quasiment l'équivalent. C'est quasiment l'équivalent. Et on a homologué, off-road également. Ouais. Au niveau prix, bah, on est quasi pareil que sur Rhône. Enfin, moi, je vais faire aussi un petit projet, je pense, avec un pote à repartir dans les pays
chaud, on va dire ça, Afrique ou un d'accord, truc comme ça, et d'accord. On va refaire un petit. Ça fait longtemps que je suis pas parti en vacances et tu vois, je m'ennuie et je vais faire ça. T'as raison. Et après. Mais par contre, en ce moment, c'est beaucoup de l'élec, donc ouais. Bah oui. Je roule en Tesla en d'habitude. D'accord, d'accord. Donc monsieur est un adepte de l'électrique. Ah ouais, ma société c'est Modernimo. D'accord. Donc tout tourne autour de ça et puis. Et là pour être. Du coup, t'as un mode éco. Ok. Et si t'appuies dessus, t'as un mode de sport. Ok. Là, elle est allumée. Ouais. T'attends un petit peu qu'il n'y a plus rien et puis. Mais je t'effraie, toi, t'as dit. Tu veux un casque ? Non, c'est bon, ah, ça va aller. Les freins, c'est comme un vélo. Qu'est-ce que c'est léger ? Ah ouais. Ah, vélo. Attends. Ouais, ah, je suis sur l'arrière ? Oui. Ok, et l'avant. Donc c'est inversé avec moto. Exactement. Ok. Tu l'as fait. Vous allez me dire, mais il faut pas. Il va acheter la mienne, pas celle-là. Ah non, c'est... Tu peux essayer sur non, le. C'est... Non, c'est le frein avant. Non, c'est comme une moto. C'est comme une moto. Ouais, ouais, si. Bah, du coup, tu m'as perturbé et je voulais pas faire de ça. J'avoue que c'est bien. C'est vraiment top. Ah moi je m'éclate avec ça. En plus. Tu vas tranquille. Ouais. Bon par contre vitesse de pointe, ça monte beaucoup plus haut que les petites. Et par contre en accélération, je trouve qu'on est quand même sur un équivalent. Ça rend encore mieux quand on te regarde, tu vois. C'est vrai. Ouais. En fait, à la base, ça, tu montes à 70-75. Ok. Voilà. Et t'as pas de programme informatique à mettre et tout, parce qu'il y en a plein qui se demandent ça. Qui est possible. Après, tu peux toujours la modifier. Donc, tu peux acheter un bac 8000, ils appellent ça. Ouais. Donc, c'est au niveau d'ici, tu sais, le transformateur, je crois. Ok. Et en fait, tu peux monter jusqu'à 80. Il y en a, ils montent à 100, 110. Ouais. Mais plus, par contre après c'est de l'investissement. Ouais. Déjà la batterie d'origine elle est à 1290. Donc tu comptes une batterie plus puissante, t'en as facile pour 1005, 1006, voire 1008. Et ton frère lui, ce qui vend en équivalent, c'est combien à peu près en tarif? T'es à 5000 aussi. 5000 aussi. Ouais. Tu iras voir Talaria. J'ai acheté. Et ça équivaut à 50 cm cubes en fait. Mais elle est légèrement plus lourde. Et par contre, elle est beaucoup plus nerveuse, la Talaria. Ouais. Et par contre, j'ai pas regardé, c'est quand t'accélères. Ouais. Si quand tu freines, non, elle bloque pas. Parce que les petites, elles bloquent. J'avais vu la Polo, ouais. Dès que t'accélères, il y a une sécurité. Dès que tu touches le frein, elle coupe le moteur électrique. Ouais. Et c'est un peu chiant. Mais du coup, là, c'est des terrains. Ouais. De batterie, c'est dingue. Ah ouais, ça consomme rien. Ça consomme rien. En plus, tu sais, ça fait effet dynamo quand tu descends. Ouais, comme la Tesla. Ça recharge pas de ouf, hein, mais. Et tu sens qu'il y avait un. Enfin, moi dans la Tesla, tu sens qu'il y a un gros frein moteur. Tu filmais pas. Non. Non, putain, mais il n'est pas possible, il filmait pas. Il me saoule depuis tout à l'heure. Non, 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 on peut pas faire ça. Attends. Non.